Ok, donc j'espère que vous allez bien, c'est Odeur, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui on va faire un buggy, donc on est parti. Alors, pour ce faire, on aura besoin du coup de convoyeurs. Donc on va en faire. On va prendre deux. Ensuite, on va prendre. Tac tac tac, un glisseur. Un gouvernail. C'est assez complexe, hein. Vous allez voir, c'est pas mal complexe, donc il va falloir assez bien suivre. Il n'y a pas vraiment de tuto, hein. C'est juste, je vous montre bah, les éléments et comment les placer, mais vous le faites à votre manière. Si vous voulez mettre un pieu en bas pour que ça soit beaucoup plus simple, faites-le, hein, pour le relever, quoi. Donc on va faire un truc comme ça. Ensuite, vers le middle bas, donc vers là. Middle. Attaque, je pense que c'est bien. On va prendre une arme. Ouais, je pense qu'on va faire ça comme ça. Ensuite, du coup, on va utiliser un glisseur. D'abord, on va mettre ça, mais après, on va mettre le glisseur. On va mettre ça, le truc. Ça là. Ok, je l'ai raté. Ok, je pense que c'est bon. Voilà, au milieu. Et le glisseur. Mettre vraiment au bout. J'ai l'impression que c'est un peu trop au bout, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le replacer, on va le mettre ouais, comme ça. Voilà, là c'est parfait. Hop, non, ça veut pas. Si ça veut. Ok, parfait. Ok, donc ensuite, on va placer ceci. Juste ici. Et ensuite, on va du coup devoir placer. Ah. Ça là. Alors, est-ce que c'est droit au moins? Non, c'est pas du tout droit. On va le mettre de ce sens là. Donc je vais quand même sortir un pieu, ça va être beaucoup plus pratique pour les roues. Alors ouais, c'est pas grave. Donc il va falloir 4 grandes roues. J'ai un peu peur que ça touche un peu, donc je sais pas, on va voir. On va voir, donc ça, pareil. On va faire un truc comme ça. Oh non! Ah, tac. Alors. Faites attention à la position de vos roues. J'avais complètement oublié. C'est la première fois que je le build, donc j'ai juste le schéma sur à côté sur mon écran. Alors là, je sais pas comment on va le mettre. Je pense que là c'est bon. Hein. Ah non. Si, quoique. Non, lui il est un peu bas, je trouve. Ok. Et le dernier. Déjà là, on a déjà une petite gueule. Ok. Ensuite, du coup, ce qu'on va faire. Alors, j'ai regardé plus en détail. En fait, on va mettre du coup des convoyeurs sur les côtés. On va du coup placer comme ça, je pense c'est mieux. Parfait, alors là, parfait.
Comme vous pouvez le voir, ça a une petite gueule quand même. C'est vraiment sympa. Déjà là. Okay. Parfait. On va enlever le pieu. Ça va faire ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est... Bon, le truc là, il est pas droit, mais c'est pas grave. Vous le ferez mieux quand même, je pense. Vous, de votre côté. Moi, c'est à la va-vite un peu, mais bon. Vous avez les grandes lignes. Ensuite, on va faire ça. Voilà. C'est un beau bec. Donc ce qu'on va faire du coup maintenant, hop, qu'on va pouvoir... Là. Oh non! Hop, ok, re. Ok, c'est bon, tac. Donc je l'ai recréé. Voilà, je l'ai remis à... Tac. À fond, donc j'avais oublié aussi du coup de mettre deux projecteurs, c'est un bonus. Et du coup, bah, on va voir pourquoi ça marche pas pour se déplacer. Mais je crois que j'ai déjà ma petite idée. Oh non. Yeah. Ok, c'est bon. Donc en fait, je suppose que j'avais en fait tout collé sur les roues. Là, ok, là c'est pas collé sur les roues. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer ça. Tac. Pourquoi ça veut pas me... Ah ouais, c'est beaucoup plus compliqué que de le mettre comme ça que directement dehors. Faut trouver un moyen pour rentrer à l'intérieur, mais je sais pas comment. C'est bon. Oula, c'est collé à la roue là, c'est pas bon. Oh. Oh mon dieu. Bon. Si j'arrive pas, au pire je vous laisse chercher vous de votre côté, au moins j'aurai partagé le design, mais ouais, je sais pas pourquoi ça fait. Alors là je pense que c'est un peu en retard, enfin c'est un peu trop bas. Là c'est encore sur la roue. C'est chiant ça. Bon, déjà, on va faire genre que y a pas de... Y a pas tout ça. Ok, c'est bon. Est-ce que du coup, déjà, ça marche? Déjà, je peux pas conduire. Là, déjà, il y a un petit problème. Il faudrait peut-être que... Non, attends-moi, s'il te plaît. Ça marche, mais je peux pas conduire. Ok. Ok, va falloir juste. Reculer un peu ceci. Bon, vas-y, on retire tout. Et du coup, est-ce que ça marche? Ouais, donc ça marche. En fait, faut juste reculer un tout petit peu le ressort. Et sinon, ça marche.
Et pour rentrer, bah, c'est assez compliqué. Je suppose qu'il faut rentrer et bien le placer. C'est assez dur, mais bon. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ce design vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche. C'était Hauteur, un peu je kiffe.